live tranquille. Et bien yo tout le monde, c'est Galaxy et on se retrouve pour la suite de Pokémon Soleil en Unlock Challenge. Et la dernière fois on a eu notre petite évolution Magby en Magmar. Et c'est tout. Ah, c'est bon, on a fait plein de matchs contre les dresseurs pour s'entraîner afin de démolir le Pokémon dominant qui se retrouve dans ce bois. Bon, j'espère que vous êtes chaud. Moi, je suis chaud. J'ai mal à mon poignet, mais ça, c'est pas parce que c'est pas ce que vous croyez en fait. Hein. Non, j'ai mal à mon poignet parce que je travaille et je porte des plateaux tous les jours. Donc, d'accord. Hein. Bon, yop la forme, yop comme le yaourt là. Bien. Et bienvenue dans la jungle sombre faille pour mon épreuve. Franchement, une chose saute aux yeux dès qu'on vous voit, tes Pokémon et toi, c'est que vous allez bien ensemble, comme un plat bien équilibré. Hein? Bon, c'est pas tout ça, mais va falloir me donner un coup de main. Prendre part à l'épreuve, hein? Après tout, tu as reçu une gemme lumière de la part de Tokoriko. Ça veut dire que tu es à la hauteur digne de relever mon défi. Tu sens le souffle puissant de la jungle? Elle murmure à mon oreille. Elle me dit que à quelle sauce tu vas être mangé. Moi j'aimerais bien être mangé par une sauce barbecue quand même. C'est dommage, j'ai barbecue. Non, c'est ça. Je vais te sortir ma spécialité, le barbaragou. Miam. Il va falloir que tu me dégotes 4 ingrédients. Une baie mago, un petit champi, une herbe rappel et une graine miracle. Tu as tout noté? Il y a intérêt. Non, j'ai rien noté. Tiens, je te donne un sac pour faire mon marché. Ton marché pour cette épreuve, hein. Alors, donc en gros, on est de corvée. C'est pas mal. Après, c'est pas mal comme épreuve d'être de corvée de Barbara pour que lui fasse ses courses au marché. Et que. Voilà. Donc, voilà. Sur ce, en avant pour l'épreuve de jour. Ah, du coup, il nous faut Mastouf, il me semble. Il nous faut le Mastouf. Non, je suis dans le mauvais truc là. Il faut que je fasse Y. Alors je vais juste mettre comme ça. Moi je l'ai découvert il y a peu quand même ça. Voilà. Il nous faut Mastouf. Et là normalement on a déjà le petit champi là. Donc c'est un petit champi qu'il nous faut. Voilà. Là on a déjà notre premier ingrédient. Normalement avec Magmar on va tout niquer. Hein. Et... Oh, Parasect. On va pouvoir tout défoncer avec Magby. Un rebondi feu. Non, j'ai pas vu ses stats. Mais normalement il est plus spécial maintenant. Oh, c'est vrai que j'ai mal à mon poignet. En plus je suis pas gaucher. Dans tous les cas. Bah oui, d'accord. Hein. Ça veut dire qu'il se prend de la main droite. Oh. Non mais en vrai, là, comme je porte vraiment les plateaux des acides sur ma main gauche, j'ai vraiment mal. Alors, ça bosse? Un petit champi. Ah, c'est bien. Ça a beaucoup de succès auprès de certains connaisseurs. Si tu y goûtes, tu comprendras ce que je veux dire. C'est bien, mais tu as encore 3 ingrédients à trouver. Allez au boulot. Ça va, tu vas te calmer? Là, je fais ton marché. Donc, on va aller par là. Et normalement, on va trouver... Oh, la CT, je sais plus comment on fait pour l'avoir. Donc, Ah non, là... Je sais pas s'il y a un objet, là. Peut-être une baie, je sais pas. Donc là, c'est un Mumantis. Ok. Alors, on va faire point de feu pour changer. Pour équilibrer. Et j'aimerais bien débloquer... C'est vrai que les CT, j'ai des CT intéressantes là. Ah tiens, il y a un truc. Ah non, c'est du miel. Pas besoin de miel, je crois. Ah bah voilà, c'est une baie. Voilà. Donc là, j'ai trouvé une baie. Cool, une baie mago. Bravo pour la trouvaille, d'accord. Plus la baie est biscornue, mieux c'est. Bon, il te reste encore 2 ingrédients à trouver. Allez au boulot. Mais... Arrête de me dire ça parce que ça m'énerve. Allez au boulot, hop. Commence. Hein quoi? On va aller par là. Non, c'est par là qu'on peut avoir. La CT elle m'intéresse là. Je sais pas comment on fait pour l'avoir. Par là peut-être. Si ouais, attendez. On va descendre. Ah non, ça c'est. Rappel Max, génial. Ça
Ça c'est super, un Unlock Challenge. Non. Le Massouf. Ah, je sais plus comment on fait pour l'avoir, cette... Ah, ça me perturbe. Bon, pire, c'est pas grave. Ah, y'a un truc. Ah bah c'est la plante. Un Pokémon, d'accord. Bon. Je pensais que ce serait la barre rappel. Bah non, c'est pas ça. C'est encore Mimantis. D'accord. Bon, peut-être que je me suis fait avoir alors. Allez, rebondis feu. En plus, rebondis feu, c'est bien contre les... Contre les Pokémon dominants, parce que ça touche tout le monde, ça. Hyper potion, d'accord. Bah on trouve des trucs quand même. On trouve des potions. Wesh. Une drôle de plante, ouais. On va l'arracher. Raté, c'est juste une vieille plante sans intérêt. Oh merde. Sans intérêt, mais c'est quand même un Pokémon. Hein. Moi, ça nous fait un peu d'XP encore. Plante. Allez, c'est celle-là. Ah, ça c'est bon, c'est l'herbe rappel. Donc là, on a trois objets. Ah, zut, il y a encore un poké. Tu vas arrêter. Et un Mimantis. Super. Pas assez. On va mettre feu. En tout cas, je vous, quand même, je vous compte déjà vous remercier le retour déjà de Pokémon Soleil Unlock Challenge. Je vois que ça vous plaît en fait. Et c'est pas mal. C'est la première fois que je fais un Unlock. D'ailleurs, un Unlock que j'ai vu, c'était de NT justement. Et ça vous plaît. Donc ça, c'est pas mal. Je dis ça, c'est parce que c'est peut-être... Ah, c'est par là. C'est par là pour avoir la CT. Génial. Je sais, c'est peut-être le... Ah, le herbe. Ça peut être pas mal, mais faut que je débloque les CT, la règle avec les CT. Donc oui, j'ai dit ça, c'est peut-être le dernier épisode où on tourne, donc je vais peut-être perdre face au Pokémon dominant. Après, ça m'étonnerait, hein. Mais mais vraiment, ça me fait plaisir déjà d'avoir de bons retours. Je sais que je prévisible, je fais pas beaucoup de Yu-Gi-Oh en ce moment, je fais plus du Pokémon. Mais c'est que en ce moment, Yu-Gi-Oh, je sais pas trop quoi faire à part les lives. Je préfère les faire Yu-Gi-Oh, je préfère jouer en live. Ah, j'ai pas force, ouais. Et ah oui, il faut Tauros. Yu-Gi-Oh, je préfère faire en live et faire avec vous, parce que c'est vraiment quelque chose que j'adore. Et je préfère faire ça en live que Pokémon en live. Ok, c'est le grand miracle. Dernier ingrédient qu'il nous fallait. Alors ça bosse. Ah cool, une grand miracle. D'accord. C'est ultra nutritif comme truc, ça fait des miracles, d'accord. C'était drôle là, le jeu de mots. Ouais. Bien. Et bah c'est parti, on fonce avec Tauros. Ah oui, attendez. Ce que je sais, j'ai un souvenir, c'est qu'on fait. J'avais pas soigné. Bon, j'ai pas besoin de soigner en fait là. Non, j'ai pas besoin de soigner en fait. Ah, nous aussi, Dom. Bon, voyons, j'ai tout ce qu'il me faut, il y a plus qu'à. Y'a plus qu'à. Mais c'est pour d'autres. Comment vas-tu, Barbara? Oh ouais. Les Rangers. Go, go, Power Rangers. Et voilà l'eau fraîche, le casque brut. C'est vrai, j'espère, ok. Donc là, voilà, on va faire le petit let's play sur Kokimama. Est-ce qu'on est prêts, les gens? Moi aussi, je suis chaud.
Alors, Cookie Mama. Alors, Nefi retourne le caisse bruit qui verse le frais dedans. Ça doit pas être. Je sais pas. Bon. Alors, appuie sur le bouton A pour plier les ingrédients. Ok. Et on pile à nouveau. D'accord. Tout est dans le coup de poignet. Et par contre, là, ça devient chelou, hein, le jeu, là. Je veux bien qu'on fasse une petite référence à Cookie Mama, mais pas autre chose, quoi. Parce que tout est dans le coup de poignet. Ah, c'est dégueulasse. Ah, c'est dégueulasse. Heureusement que c'est vert, hein. Ça aurait été d'une autre couleur. Ça aurait été vraiment très très chelou. On aurait pu faire un petit montage. Non, je vais pas le faire quand même, c'est chaud. Oula, par contre là on rigole plus là. La musique a changé. Du fin fond de la jungle, quelque chose approche. Et moi, innocent comme ça, je suis. Hmm, qu'est-ce qui se passe? Ah, pardon. J'adore cette musique, elle est trop forte. Elle est épique en fait, je sais pas, elle a quelque chose. Enfin, c'est fait dans l'entrée. Allez, c'est parti! Duel disque, c'est toi! Faut ralentir, c'est dominant, on veut se battre. J'espère le one shot avec les attaques feu. Mais il me semble qu'il est solide. Alors, ah, il augmente sa vitesse. Oh, ça sert à rien en fait de faire burn out smog. Donc, ça, sa vitesse, ça va, c'est pareil. On va faire dire. Alors, j'ai déjà regardé s'il est plus physique ou spécial. Parce que. Je sais qu'il a une baisse de. De l'attaque physique. Il est beaucoup plus spécial. Bon, on va faire rebondi feu alors du coup. Quoique, est-ce que rebondi feu peut brûler? Si ça peut brûler, c'est parfait. Non. Bah, on va faire point de feu vu que ça peut brûler. Et ça peut être sympa parce que il me semble qu'il peut se soigner. Enfin, après, je crois que ça fait rien du tout. C'est parfait. Corps ardent. Bah, il a. Voilà. Il s'est brûlé lui-même, c'est bon. Allez, point de feu. Oui, ça fait d'excellents dégâts. Allez, appelle ton pote. Il appelle qui? Morpheo. D'accord. Bon. Allez, rebondis feu. Merde. Oh, coucou, ça va le tuer. Rebondis feu, normalement, ça devrait toucher faire remonter ceci. Oh, la synthèse. Bâtard. C'est vrai qu'il est plus rapide. Je vais zapper. Ah ouais, d'accord. Elle rebondit feu. Ah, ça le touche de peu quand même. Je pensais que ça allait toucher plus. Zénith. Mais c'est un imbécile. Bah, Zénith, c'est bon, j'ai gagné. Il me fait Zénith, le mec. Mec, il fait Zénith. Il augmente mes attaques feu. C'est trop facile, là. Je fais rebondit feu sur. Sur Floramantis et c'est bon, c'est fini. C'est vrai que j'ai les dents en même temps là. Et après s'il me facilite la tâche, c'est pas ma faute, franchement. Ah je vous jure, j'ai. Ah, je sais pas ce que j'ai là. Heureusement que je me mets pas en arrêt maladie pour les vidéos. Allez, bah KO. Dégagez monsieur. Madame, je sais pas ce que. Coup de boule. Corps ardent. Même pas. Bon tant pis. Allez, on va finir par le point de feu. Et c'est le joueur français qui a gagné face au Pokémon dominant, face à Magmar. C'était prévisible, gagne facile. Donc voilà, on a gagné face à n'importe qui, face à Floramantis là. Bah ça alors Cid, quel talent. Tu t'es battu comme un chef. Comme dans Top Chef. Ça m'étonne pas. Il a intéressé mal à moindre. Oh, franchement, c'était même pas un Pokémon dominant ton truc. Je l'ai one. On a fait copier le petit faux sardine. C'est vrai que faux sardine. Oh, il était plus difficile, faux sardine quand même. Bon, j'ai réussi l'épreuve des Power Rangers. J'ai les 3 gemmes. Bon, j'appelle ça des gemmes. Crystal Z, c'est trop. Et nouvelle règle. Enfin, épreuve réussie. Mabara vous donne un cristal Z.
Pour utiliser la force Z de type plante, imagine une fleur qui éclot. Et tadam! Eh, c'est vraiment chelou ton truc là. De toute façon, moi, ma seule énigme, c'est ça. Voilà, ça c'est mon attaque Z. Mais il faut que je débloque le truc pour qu'on le fasse. J'aimerais bien avoir là aussi l'attaque Z. Franchement, en fait, j'ai envie de débloquer toutes les règles. Attendez, je suis en train d'afficher un truc. Ah non, c'est bon. Tiens, Florimonie n'a pas tout mangé. Kawaii et Nefi, vous pouvez vous servir. Eh bien, régalons-nous alors. Ah oui, c'est spécial quand même. Hein. On sent bien le goût de l'os. Ah, c'est dégueulasse. J'ai les papilles qui crient grâce. À boire. Bah quoi, c'est pas succulent, il en reste. Revenez les amis. Ah là, ils doivent être pressés de rejoindre Alexia pour assister à la grande épreuve. Et elle sort comme ça dans le comme ça, tu sais. Elle... Ah bah non, d'accord, ça a disparu. Bon d'accord, on sait pas comment. Ah mais dis-moi, je flaire un truc qui semble drôlement bon. Ça serait pas l'odeur du Barbara goût? Tu as remporté l'épreuve de Barbara, les doigts dans le nez. Je parie, hein. Cool, man, ça mérite un cadeau sans sas. Et hop, là, c'était Estocorn. C'est quoi, ça, encore? Avec ça, t'es sûr de toucher ton adversaire. Ah oui, c'est une attaque assez, je crois, qui n'échoue jamais, ouais, peut-être. Il me semble que c'est ça. Toutes ces découvertes, ça donne de la couleur à ton adversaire. Mais faut pas s'arrêter là. Il y a un truc qu'il ne faut absolument pas rater lors du tour des îles, c'est le CRI. Le centre de recherche interdimensionnel. Allez, en route, mauvaise troupe. Ah ouais, faut aller là. Oh, j'avais oublié qu'il fallait aller là. Par contre, j'aimerais bien... Sid, je t'ai pas encore félicité pour avoir terminé haut la main toutes les épreuves d'Akala. Bravo, man. Plus qu'à passer la grande épreuve de la frangine. Enfin, je veux dire, la doyenne Alexia. Ouais, pas future femme. Pour info, la spécialiste des Pokémon type roche. Ah ouais, ah ouais, faut que je change ma team. Quoique, j'ai deux Pokémon actuels pour le battre, mais... Tu ferais peut-être bien d'attraper quelques Pokémon de type plante dans la... Ah bah oui, j'ai trop... Ah bah oui, c'est vrai que le type plante aussi. Ah, ça va, je vais rassurer. Je vais peut-être le faire évoluer, mais bon, c'est quand même... dans tous les cas, retrouve-moi au CRI quand tu auras fini de te préparer pour la grande épreuve. C'est où déjà ça? Ah oui, c'est vrai. C'est juste après la route 6. Si tu es perdu, demande à Mimétisman. C'est sûr que je vais pas demander à Lily, hein. Allez, à toutes. Bon, alors... On va débloquer notre petite règle. Alors, c'est parti. La boîte. Je mélange. Ouais, en fait, voilà. Je vous rassure, il y a quand même toutes les règles là-dedans. Hein. Parce que... Il y a aussi... enfin, je sais pas si vous voyez. Mais il y a quand même toutes les règles dedans. Hein. Je fais pas genre mes deux règles et allez, je vais tomber sur le nom. Ça serait bizarre quand même. Bon, allez. Alors, il y a un papier. Eh, c'est quand même dingue en fait. C'est que ça fait quoi ça, c'est vrai que ça peut porter à confusion. Mais sérieux, là j'ai débloqué les CT. Voilà, je peux utiliser les CT. Mais c'est vrai que ça fait pas d'évolution, pas plus de 3 Pokémon, pas d'objet au combat et pas de CT. Ça fait à la suite, c'est marrant ça. Bon, juste combat défini là. Mais sérieux, c'est vrai que c'est bizarre, mais bon, à chaque fois, pourtant je mélange bien, hein, c'est un truc de ouf. Alors. J'ai le puissance cachée. J'avais une puissance cachée où, je sais pas, il y avait un Pokémon qui pouvait apprendre un dragon. Si vous pouvez me rappeler dans les commentaires, je sais plus c'est lequel. Je sais plus c'est lequel. Je crois que c'est Miaou, ça. Enfin, perso. Bon, alors du coup, on va soigner déjà et on va se retrouver à la route 6 avec le Dracaufeu. Et on va s'arrêter là, en fait. 20 minutes déjà. Est-ce que je change de team?
Oh, j'ai bien envie de garder Magma en fait. Est-ce que je change de team? On va finir. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais finir cette île avec cette team là. Après, on va peut-être changer de team dans la prochaine île. Parce que, en fait, j'ai déjà une team que je vais peut-être pouvoir me faire. Déjà, on va avoir Voltali dans cette. Dans deux épisodes après encore. Je pense. Puis après, on va changer de team. J'ai une autre team que j'ai envie de me faire. Mais bon. On va se retrouver aux séries là. Tout de suite là. Hop. Donc c'est, si je me trompe pas, par là. Ouais. Oh, de toute façon, en plus, j'avais le petit drapeau, j'ai même pas regardé. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Parce qu'il me semble que le discours il est super long. Moi qui veux faire des épisodes courts, c'est raté. Donc voilà, on va s'arrêter là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à commenter et à laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Sur ce, on se retrouve pour le prochain épisode. Ciao, bye les gens!